Alors moi j'ai commencé, je suis arrivée, je travaillais à Nantes Action Périscolaire, donc je faisais de l'animation périscolaire, et donc sur les écoles maternelles de la ville. Et je suis tout de suite rentrée dans le moule à corps périscolaire. Et donc j'ai ensuite arrêté le périscolaire, j'ai continué l'animation, l'animation, donc du coup au sein de l'accord. Et bientôt, ça fait 5 ans du coup. Bah, j'avais un peu peur de l'aspect scolaire en fait, l'aspect scolaire de la formation. Et puis aussi, moi je suis quelqu'un, j'étais bien dans mes petites habitudes et j'avais peut-être pas envie de, voilà, de me remettre, qu'on me mette un petit coup de pied dans les fesses. Donc voilà, mais sinon concrètement, on m'a vraiment poussé à le faire. Parce que vraiment ça devenait essentiel, fallait vraiment que je me forme professionnellement. Du coup, j'avais certaines lacunes, notamment sur la théorie, sur l'aspect théorique de notre travail, parce que nous, chez les ados, il y a pas mal d'administratifs. Et du coup, il fallait que je sois au point là-dessus, et puis bah, notamment sur de l'écriture de dossiers, ce genre de choses, projet PEDA, etc. Voilà. Et puis bah, surtout pour évoluer. J'aime beaucoup le contenu de la formation, j'en apprends tous les jours. Et en fait, j'ai découvert que j'avais vraiment envie d'apprendre, mais plus que ce qu'on nous fournit là, en fait. Vraiment, le contenu en lui-même est très intéressant et j'ai vraiment envie d'apprendre. Et c'est hyper intéressant. Comment je pourrais décrire cette formation en quelques mots? Intense. Ouais, très intense. Je suis arrivée, j'étais vachement renfermée, je parlais avec personne et je me suis ouverte au fur et à mesure, donc voilà. Et je dirais très hétérogène aussi. Et on délire beaucoup, on rigole beaucoup, on fait plein de choses. Franchement, c'est trop bien. Formatrice au top, Colline, elle est au top, du top, elle est très à l'écoute et elle est vraiment. Voilà, on a vraiment envie d'apprendre avec elle, elle nous porte vraiment. Donc concernant les intervenants, on a quelques intervenants qui sont venus du coup pour nous, notamment sur la philosophie. Il y a eu des intervenants aussi autour des jeux, du sport et des personnes très très pédagogiques et vraiment très intéressantes avec qui moi j'ai pu avoir un échange aussi dans ces moments-là. Et c'est quelque chose qu'on nous a apporté en plus et c'est toujours ça de prix. J'ai fait la première semaine, j'avais envie de partir en courant et puis maintenant je me dis en fait il fallait du temps, je pense qu'il fallait du temps pour s'adapter et puis bah, pour apprendre à se connaître les uns les autres parce qu'on se connaît pas, on est tous d'univers, de milieux différents et voilà, et maintenant on est un groupe, on est un chouette groupe.